Oui, bonjour, là le micro devrait être correct. Ce que vous allez voir, ce sont des images qui ont été tournées il y a quelques semaines, alors qu'on revenait du tournage d'une boulangerie, d'une émission dans une boulangerie, puis qu'on était très fatigué et très épuisé, et très fatigué et très épuisé, où ce qu'on passait en review, une espèce de machin qui transmettait le Wi-Fi, par Wi-Fi l'image des caméras, et ensuite les lentilles. Je voulais fitter ces deux affaires-là dans la même émission, mais ça ne l'a pas fitté. Donc, voici la partie 2 de cette partie 1 de la semaine dernière. Donc, là, ce que vous allez voir, c'est nous qui installons les lentilles, qui les ajustent pour les caméras, parce qu'il faut les ajuster pour les caméras, pour le parafocal, parfocal que vous allez voir bientôt. Donc, les lentilles que vous voyez en ce moment, genre celle-là, puis celle-là, que je pense que dans le focus ici, genre. Fait quoi? Mes lunettes sont sales. Mais en tout cas, fait que dans le fond, c'est ça. Là, ce que vous allez voir, c'est nous qui installons les lentilles pour les caméras, que les ajustons pour que le focus marche, fonctionne. Et voilà. Et aussi, voilà, bonne émission. Bonne émission, à la prochaine. Voici les informations pour le dernier examen de l'année. C'était ça, en gros, ouais. Oui. Mais tu peux pas te connecter à lui. Moi, je viens de me connecter, ça fonctionnait. Je l'ai fermé puis je l'ai rallumé. On va arranger des lentilles super cool qu'on a reçues par le Père Noël sur... Je vais recommencer. On a des lentilles qu'il faut arranger les mounts pour qu'ils fonctionnent sur les caméras. Une petite vidéo de 5 minutes qui explique le... Ah, je vais remettre mon date. Le parafocal... Mais c'est quoi le parafocal? Ça doit être la lentille, je sais pas. Ouais, non? Ça doit être la lentille, non, mais oh. C'est quelque chose sur le focal, mais... Parce que l'affaire, c'est que... On l'explique ça avant, finalement, qu'on l'explique. Ouais. Tu le remettras. Ouais, au pire, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le parafocal, on va écouter. On va savoir, on va le découvrir. Welcome back to my channel. So I've been shooting video with this lens for a while and I love it a lot. This is the Vizio Film 20-55mm D2.8 after zoom. One of the reasons that like people like this lens a lot because changing the focus. Le focus reste à la même place? Non! You have to refocus all the time. It's not a problem. Mettons, t'es là, là, pis t'es à genre 70, pis là, je dézoome, il m'a 24, le focus reste à la même place. Que je zoome ou que je dézoome, il reste sur ta tronche, genre. Bro, c'est des lentilles de fucking... Cinéma. Cinéma, là. Ouais. C'est sick! Hein? Bravo. Bravo. Mais c'est ça. C'est cool. Ouais, je savais, c'était ça. En fait, parafocal, c'est... C'est parafocal, pas parafocal. Mais c'est parafocal, là, je sais pas. Mes origines italiennes. Juste un peu. Parafocal. Parafocal. Là, il parle, c'est ça, c'est quand on zoom in, out. Parce que souvent, en vidéo, c'est un peu années 80, style, là, mais je sais que Steven Soderbergh le faisait beaucoup, pas dans Chine 11, mais tu sais, dans 12-13, ouais. Il aimait ça, là, il partait de l'autre bord de la rue, là. J'ai fucking long il allait zoom, chercher, là. Genre, okay. Whatever, là, Matt Damon qui s'en allait, mais c'était, il partait de wide, là, wide. Il partait, mais c'était tellement slick, là. C'est ça, ok, ok. C'était impressionnant. Il allait pogner, puis tu vois, le focus était sur lui depuis le début, tu sais, mais il marche, tu sais, fait qu'ils l'ont placé comme quand il est là, ouais, il fait whatever, là. C'est ça, il y a un focus pour lui qui est vraiment sur la coche, là. Ouais, souvent, c'est une combinaison des deux, mais tu sais, l'idée, c'est que lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est comme c'est slick, c'est hyper slick, tandis que c'est ça. Man, c'est... Oh, je savais pas que ça... ce calibre-là... Ouais. En plus, c'est un shot d'un, c'est fucking cool, là. Genre, on va juste fucking loin. Ça va être 28 minutes de ça. Ouais, c'est ça. Oh my god! Ok, la partie de visser, c'est pas compliqué. Ouais, c'est... C'est ajusté après. C'est l'ajustement, c'est ça. Ah, faut que t'ajustes. Next step, change the PL mount to the EF mount. C'est un 1.5 du capteur. C'est un tape à mesurer?
Ouais. OK. Mais, ouais. Dans le fond, le capteur est ici. Oh, ah, mais le capteur est juste là, fait que c'est pas super. Ah non, c'est pas super à calculer. Shit, OK, on va montrer ça. Fait que là, on peut. On a, ouais, ça, c'est les DZO Film. OK. C'est j'ai pas c'est child-proof. OK. J'ai de la misère à l'ouvrir. On peut zoom là peut-être plus. C'est là, ouais. On a pas besoin de voir toute la table, on va garder ça au milieu, genre ici. Puis ça, t'as deux sets de shim parce qu'il y a deux lens dedans. Dans le fond, nous, on a acheté le 20-55 et le 50-125. OK. Mais deux fois. OK. Donc, parce qu'on a quatre cams. Ben oui. Moi, je m'étais dit, ça me fait OP deux kits. Ben oui. J'ai la 25 qui, OP, va rester. Sur la place de la white, parce que souvent, on se ramasse là, ouais. Mais tu sais qu'elle a fait 20-55, fait que tu sais, il y a différentes façons de faire. J'ai dû acheter deux kits puis une fixe. Puis ça, c'est des petits shims, mais ça, je sais pas à quel moment qu'on les met. Mais... je sais pas non plus. Mais c'est pas bien grave. Non, au pire. Pour l'instant, c'est pas grave. Au pire, ça marchera pas. C'est le pire qui va arriver. Oh my god. C'est une fusée. C'est une bête, là. J'ai brisé le plastique. Hein. Ah ouais. Ah! Oh. J'ai jamais le bout de la chatte. Hein? Oh! 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 What? Ok, ça c'est le zoom? Non, c'est le fuck. Ok, oui, ça c'est. T'as le F? Oui, F, zoom, focus. Zoom. Et le focus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment sick. C'est quoi la première étape que dit? Le move de pilule zoom. Mais ici, on a les mounts. Ah, j'ai fait le focus. Comme on a les deux mounts ici. Ok, ok. Fait que c'est. Fait que, en fait, c'est que. Ça, c'est le mount PF, je pense. Là. PL. PL. Ouais. Qui de base, mais moi, j'ai pris le EF qui, en fait, va fonctionner pour les. Ça, c'est plus. Il appelle le mount plus Canon, là. Ouais. F, là, normalement. Ouais, F, ouais. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'enlever l'autre. Ah. Puis il mettait la place. Okay. Ah. C'est ça qui va se passer ici. Ok. Mais on a des petits screwdrivers ici. Shit. On a même chacun un. Mmh. Nice. Mais c'est le bon? Parce qu'il y a des petits Allen keys. Ouais. Ça, c'est ça pour ça. Ouais, c'est le bon. Les Allen keys, ça doit être pour les shims d'abord. Ouais, je pense que. Ouais. Par contre, là, vu que c'est de la fucking précision, faut que tu les dévisses tout un peu. Là. Ouais. Ah non, c'est pour les. Quand on va les revisser, faut pas les serrer. Tu mettons, on les visse toutes correct, puis après ça, on les serre toutes d'un. Mais t'es à cut, mais tu serres pas. C'est hein. Ça. Je suis très heureux de faire ça en ce moment. Ah oui? C'est génial. Moi, correct. Moi, je suis très plug and play dans la vie. Je me sens plus réalisateur que technicien, dans le sens ouais. Où... moi, je veux, fais ça, puis qu'est-ce que ça me prend, mais fais... faut que ça fonctionne. Branche-les, là, pour que j'arrive, puis que ça me marche. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est ça aussi, je préfère réaliser, mais j'aime ça que gosser avec la technologie. Chaque fois que quelqu'un a une nouvelle pièce de technologie, je veux... Ouais, tu t'es pas fait prier. Mais c'est pas fait quoi? Prier pour venir ici, là. Non. Non, je pense que ça... c'est dur à enlever. Hein. J'avais les bons critères. Ça, là, si tu veux me faire voir, là, genre, perdre patience, les affaires dans la main. Des bouts de tape. Dans... T'as déjà vu quelqu'un frapper dans les murs? Ouais, moi. Hey, c'est beau, cette affaire. Regarde, ouais, le petit carotté, le petit point. Marchait pas, hein? Chim. C'est ça qui arrive quand on lit pas vraiment les instructions. Quel point est-ce qu'on tient au petit sac de plastique? Zéro pinball. Parce que je vais pas m'amuser à remettre le PL mount. J'ai rien qui fait sur le PL mount pour l'instant. Si jamais je change de cam... tu changes de lens. Faut acheter d'autres lens. Y a-t-il un sens qu'il faut le mettre? Ah, merci. Je sais pas. Parce que, mettons, tu dis... Ah, ben ah, ouais. Ah oui, y a un sens. Y a un sens. Check. Non, y a pas de sens. Dans la petite pin, il y a une nœud. Moi, j'ai une petite pin, mais il y a plein de petits trous. Mais ça va être ça avec lui, genre. Ah, ça va avec ça. Check. Attends, t'as une petite coche dans même. Ouais. Ah, c'est la petite coche en dessous aussi. Il y a une petite coche, ça, pour les chiens. Fait, j'imagine que c'est ça de même. Ah, ben oui, elle fait dedans. Mais il y a une petite affaire qui fait que ça va fitter dedans. Voilà. Voilà. Quel homme. Wouh! Le monde, là. Parce que, si je vais faire un aparté, là, j'ai déménagé.
notre patronne, là. Oui. Puis, tu sais, j'étais comme, j'arrangeais des affaires, tout ça. Puis le monde était surpris. Tu sais, parce que moi, c'est ça dans la vie, je laisse paraître que je suis idiot. Mais finalement, je suis pas super. Puis, c'est ça, mais c'est ce qui est le fun, c'est que, tu sais, le monde ne pense pas ça. Puis c'est ça, puis ça, tu leur montres. Ouais. C'est là la force de la vie de. Il y a quelqu'un qui part show off. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai beaucoup de vis. Ouais, il y en a beaucoup, mais d'après moi, ils mettent. Des backups. Parce qu'il y en a qui font en semblant qu'ils sont bons, mais qu'ils ne sont pas. Ouais, ça, guess, tu l'as linké ou ça marche avec lui? Ça marche avec le même du tournevis. Ils sont tous rentrés. Ouais, j'ai tout rentré à côté, puis après ça, je les serre de manière opposée. Comme ça, ça ouais, fait pas de pli fucked up. Si, mettons, j'en fais lui, puis lui, après ça, l'opposé, c'est lui que j'ai fait. Tu le prends, non? Oh, man! Avec 5, ça fonctionne, mais avec... Non, mais vas-y, mettons les 4 points, 4-4, puis après ça, t'as les 3. Ah, c'est pas con, ça. Pas con du tout. Encore, les papiers, encore là, tu vois, j'ai surpris les gens. J'ai surpris les gens à la maison, oui. Fait que là, dans le fond, l'aspect, toute l'histoire de... de l'ajustement et tout, c'est pour le focus. C'est pour être sûr, probablement aussi que le. Pour le que le parafocal fonctionne. Bon, on sait toujours pas vraiment c'est quoi le parafocal, à autre que c'est l'affaire qui tient le focal. Mais en fait, c'est parce que tu sais, quand on fait le focus, normalement, en réalité, c'est une distance. Oui, c'est ça. C'est juste pour expliquer aux gens. Si, la force, c'est que tu filmes quelqu'un, tu sais, quand on dit fais le focus. C'est oui à l'œil, mais tu sais, si la personne est à 1 mètre, tu mets 1 mètre. Tu sais, les caméras au cinéma, ils mesurent. Oui, c'est ça, mais oui. Puis ils arrivent, il est à 1,2 mètre. Puis là, ils mettent exactement, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être pour l'ajustement, c'est pour être sûr que le. Si on met 1 mètre, c'est 1 mètre. Oui, c'est ça. Puis que ce soit avec la distance au sensor, tout ça, parce que rendu là, des millimètres, ça peut tout changer. Ouais. Parce que, je peux montrer la caméra ici, ça. Si je l'ai fait. Ah, là, on voit le sensor. Ouais, le sensor, il est juste, il est direct là. Mais tu sais, dépendamment d'une caméra à l'autre, ouais, tu sais, il flash là. Ouais. Mais, une caméra à l'autre, des fois, il peut être un peu plus reculé et tout ça. Fait que c'est de savoir la distance de la lampe. Tu sais, t'as ton objectif. Puis là, t'as le. Mais le 1 mètre, tu sais, mettons, on dit 1 mètre, c'est direct au capteur, pas au bout de la lens ici. Fait que d'après moi, les ajustements, c'est pour être sûr que. 1 mètre, ça correspond à ça. 1 mètre partout. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'imagine que c'est ça, là, pour mettre les chimps et les patentes. Mais c'est ça. J'imagine que peut-être qu'on est si on est chanceux, on n'aura pas besoin de faire. Peut-être, si. Ça m'étonnerait énormément, mais. Moi, j'ai pas fini de serrer une. Oh fuck, c'est lourd ça. C'est lourd, hein, ça prendrait. Mais il y a des supports aussi. Il y a le support, faudrait. Mais je sais pas. Tu l'as à côté, mais sans genre de main fourrée. Juste... Ben j'ai serré un petit peu quand même, mais pas. Je suis plus fort que toi. Moi je cours plus vite que toi. Peux-tu croire que ça soit fait déjà magiquement puis ça fonctionne? Faudrait peut-être les plus le paravent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'enfant. C'est clair qu'on n'a pas le bon shit, mais tu sais, là, je suis le foyer. Bon, je vais le mettre. On va regarder. On va demander à l'internet. Ok, Google, what is parafocal? Un objectif parafocal est un objectif qui reste net lorsque le grossissement à la distance focale est modifié. Il y a inévitablement une certaine quantité d'erreurs de mise au point, mais trop petite pour être considérée comme significative. Comme plus facile avec. Parafocal, mettons que tu t'es dézoomé puis tu zoomes, de garder le focus là, ça paraît pas, la marge d'erreur est très petite, mais c'est justement ça, cette petite marge d'erreur là, je pense qu'on peut la diminuer en ajustant avec les shims puis tout ça. Mais. Ouais, on montrera pas tout de suite les autres. Non, je pense pas. Parce que dans le fond, on va le savoir s'il faut mettre. Tu sais, si lui a eu 2 shims de telle grosseur, ouais. Et des shims de telle grosseur. Parce que j'imagine que c'est des épaisseurs qui sont là-dessus. La vis, elle est finie. Oups, bon, c'est des épaisseurs. C'est ça, c'est une feuille d'aluminium, c'est comme des gobos. C'est gobos que ça s'appelle?
Pas des gobos. Des 0.3, 0.1 et 0.03. Ah, sinon, tu sais ce qu'on va dire. Shim for Sony FS7 with. Quoi le nom des lentilles? Des Edo Films. Ok. Ah, ben non, c'est pour. Ah, non. Okay. Là, on a un adaptateur en plus. On a Metabone. For Metabone. From the camera sensors to the semen starcher. This step is very important because each camera has different sensor placement. Make sure the target is. Les deux, on écoutait pas en même temps. Oui, moi aussi. Now, I will name the next step. T'es zonant, ça m'a déconcentré. The process exactly. Step A. Zoom in all the way to the long. Smaller than S2. Ok, ok. Arrêtez juste voir si j'ai bien compris. Dans le fond, on met le truc à 1.5. Ouais. What? On l'ouvre le plus haut, ça c'est correct. Puis là, mettons, on va au plus zoomé. Ouais. Donc là, lui, ça sera à 125. Là, on fait le focus. À théorie, ça se peut être à 1.5. Ouais. Mais là, on le met sur c'est quoi? On garde le chiffre en tête. Ouais. Après ça, on met le focal la plus dézoomé, donc là, à 50. Ouais. Puis là, on voit. Puis là, c'est là, si on voit la différence entre le chiffre 1 et 2. C'est là qu'on voit si c'est. Si 1 est plus petit que 2, on enlève les shims. Parce qu'il faut qu'ils se rapprochent. Ouais, c'est ça. Puis le point 3, puis les shims dessus, penses-tu qu'il y a un lien, mettons, là? Mettons que c'est la distance, mettons, c'est comme il y a 0.2 de différence entre les deux. Penses-tu que si on met un 0.2, ça va l'arranger? Il y en a qui sont minces! Ah ouais, c'est des 0.03 mm. 0.0, c'est des... Mais on va tout mettre ça aussi sur un trépied. On va tout. Ouais, on va changer. On va tout. 48. Ok, parfait. Garde ça en tête. Je vais faire le petit. Il y a le temps pour bouger. Non. Voilà. Ok. Fait que là, c'était quoi l'affaire? Faut regarder la vidéo encore. Fait que là, notre chiffre. S1 est plus petit que S2. C'est pas le cas? Oui, c'est ça. S1 est plus grand parce qu'il est à 1.48. C'est ça. Fait que ça veut dire qu'il faut increase. Je pense. Find out the distance number on the focus ring as S2. Step C. Notre S2 était plus petit, il était à 1 vert. Tu disais 1.30. Non, S2. Si S2 est plus petit, oui, c'est ça, exact. Il était comme à 1.30. Il était quoi, 1.30? 1.35. Ouais, là, ça. Fait qu'il est de genre 1.2. Attends, 48. 1.02. Attends, c'est 1.48 moins 1.35. Ça fait 13. Ça fait. Non. 13. Ouais, ça fait 0.13. Mais ça, je pense pas que ça a un lien parce que c'est des 0.3, 0.1 qu'on a. Fait que. C'est 48 puis 35. Fait que 13, mais je sais pas s'il y a une différence. Mais c'est ça, on va checker. Parce que là, il fait juste dire. Mais peut-être qu'il dit. You need to increase the shims. Mais je pense pour ça que ça. If S1 smaller than S2, you need to decrease the shims. You can follow the shape chart on the Sur le site web, il y a une chart, mais on l'a là. Oh! 1.4, 1.3. Ah, c'est 55 mm. Ça va faire la même différence, tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que c'est, mettons, mais là, ça, c'est pour la 20-55. Fait qu'il faut aller voir sur le site web. Je vais aller voir sur le site web des ados. Là, ça va donner si on est à point temps. Fait que. Elle est pas pendue, elle est pas focussée dessus là.
Ouais. Non, c'est ça, ça marchera pas parce que... Même si on se place à 1.5... Ouais, des ados sont laids, c'est ça. C'est qui des ados? La compagnie qui fait les lèvres. Ah, ok! J'ai faim! C'est ça. Ouais. Il est pas tout à fait 150, fait que ça se peut que... Attends, non, c'est là. On est sur 105. Mais de toute façon, son 105, c'est le même. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a un chim de trop. Là. Y a-tu un chim de trop? Attends. Le premier est plus grand que le deuxième. Le deuxième est plus petit que le plus grand. Le deuxième est plus petit. Fait qu'il faut en rajouter. T'as-tu enlevé le point 1? T'as-tu le point 1? Ah, t'es sérieux? Fucking shit. J'avais pas enlevé? Ah non, j'avais pas vu. Quoi? Mais ils sont de où, lui? Il était sorti. Ah, ben c'est de ma faute d'abord. Fait que là, peut-être qu'il y a espoir encore. Faut juste que j'en dévisse tout. Mais attends, ça c'est lui qui. Oh, yo yo yo. Attends une minute, c'est le bon? Attends, juste voir là, parce que c'est ça. Oh, yo. Ouais, c'est ça, c'est lui. Lui, et ça, t'as pas été tué. Fait que c'est lui, faut que je mette. Ok, ouais. Ah, ouais. Mais. Oui, c'était deux flottes. Ouais. T'en as mis quoi? T'en as mis trois? Je sais pas, j'ai mis ce que t'as. Mis trois? Ouais. Il y en avait quatre. Parce que... Nous l'avions pas vu. Ça n'a saigné du nez de même. Vive les études supérieures. En temps de COVID. Oui. Mais une chance, j'habite proche de Dawson. De. Pas Dawson. Ça va penser au. Tu sais, au bonhomme, les super-héros dans Bob l'éponge, là. Ce que je voulais dire, c'est que j'habite proche de Douglas. Ok. C'est quoi Douglas? C'est un centre pour les maladies mentales. Ça, je dis que je suis dû pour une petite sieste. Une petite sieste, s'il vous plaît. Une petite sieste. On va me reposer. Tout drôle. Oui, mieux focusé que ça. Non, je pense qu'on a un winner. C'est pas vrai? Genre, je zoome pis on dirait que là, mon focus, il peut pas être vraiment mieux que ça, là. Ça en fait, peut-être qu'il peut être mieux comme ça. Non, c'est ça! Ça fonctionne, mais on est en haut de 1.5. Ouh, ouais! Mais ça, je pense que je vais le donner mais, à la... Mais peut-être que c'est notre tape aussi. Ben, c'est ça, je pense que c'est... On était peut-être pas directement sur le capteur pis... La fin est curvée, fait que. Une lentille de réussite, je crois bien. Je vais même tester, voir si. Ils sont pépés. Aïe, aïe, aïe. Focus. Ben oui! C'est pas pire, ça. C'est pas pire. Focus tes cils. Tes cils, c'est pas encore focusé. Mes cils? Tes cils. Mes cils. J'ai suivi à tout l'heure. Compris mes cils. Shit. Ah! Le zoom! J'étais pas qu'il me zoomait pour le focus, j'ai juste vu ton oeil, genre... Bon, moi, je pense que c'est une victoire. Pourquoi ça aurait pu 3 heures? Ils sont niaiseux, les cons. Ils sont niais. Je sais pas. C'est sûr qu'on va leur parler pis on va faire « Ouais, mais là, t'as la ouais, t'as la fin, t'as pas fait de correct. » Pis comme « Ouais, ça va. » Non, ouais. Hourra! Yes. Mais finalement, écoute... Pas plus 3 heures, c'est vrai qu'ils sucent. Non, mais eux, ils ont dû faire, ils ont dû blesser pour que... Ouais, mais, t'sais... Je suis plus fort qu'eux.
pas parce qu'ils me bench qu'ils sont plus forts. Mais ouais. Ok, non, attends, on va le faire pour vrai. Ouais, ouais. En gros, en conclusion, pour le reste du monde, pour le... la suite du monde. Pour la suite du monde. En gros, on a réussi à faire notre défi qui est. Je vais recommencer. Ah! En gros, on a réussi à ajuster les lentilles. C'était ardu comme travail et. J'ai pensé à mon adjectif que j'ai utilisé, puis j'étais comme, c'est pas à la bonne place que j'ai utilisé. En gros, conclusion, on a fini de, on a réussi à ajuster les lentilles. Dans le fond, on avait juste deux à ajuster, puis on a copié pour les autres parce qu'on a deux fois les mêmes lentilles. Et c'était un petit peu compliqué, c'était du gogossage, c'était du calcul mental que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Et 50 moins 32. On le fait ça. Saigner du nez. C'est ça. Puis ben, dans le fond, ben ça fonctionne, les lentilles sont super cool. On fera un test une autre fois, à moins que je le mette dans la même vidéo puis que ça soit ce qui vient juste après là. Sinon, bonne journée. Ah, puis le gogos fonctionne bien. Ça. Ah oui, le, ça, le wireless c'est monitoring. C'est surprenant vraiment... pour eux. Ouais. M'attendais à ce que ça va être... Tu sais, c'est gratuit, mais ça doit être cheap, mais pas pire pour tout. Ouais. Pas pire pour tout. En même temps, tu sais, c'est un bon truc marketing. Parce que moi, j'ai acheté des lens. Ouais. Qui valent un certain bon montant. Oui. Puis, ils donnent ça, qui était peut-être 100$, là. Ouais. À leur prix qu'ils vendent. Tu sais, leur cost doit être plus bas. Ouais. Puis, là, en même temps, ils disent, bon, on donne l'entrée de gamme. Fait que là, ça me donne envie. Hey, c'est acheter. Cool. Puis là, ouais. Peut-être que l'autre marche mieux, puis je peux faire plus d'argent. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, puis c'est. Ouais, parce que comme ça. Marron fais... pas ces marrons-là. Non, parce qu'on vient de dire exactement ce qu'ils font. Ça serait le fun d'en avoir un plus cool, par contre. Ouais, c'est ça. Arrête. Tu sais quand j'ai leur cut, c'est ça. Oh, j'ai mal, je me suis entraîné. J'ai plus de force. Oh. Je me suis entraîné deux jours, ça fait genre deux mois que je me suis pas entraîné. J'ai la misère à presser un coussin comme ça après, genre. Ah, juste comme, je me lavais les mains, c'est comme, mais je manquais de force pour frotter. Puis là, ça fait juste mal. Oi, oi, oi. Ah! Oh. Mais elle doit juste nous entendre. Qu'est-ce qui se passe? On teste les lentilles. Ok, coupé! Yeah, ben juste la caméra, mais bon. Encore de son puis de Dion, c'est la même chose, oui! Alors, restez aux aguets, aux affûts. Et voilà les lentilles, regardez comment sont belles les lentilles. Regardez comment est-ce qu'ils font des belles, beaux plans. Donc, oui, le 28 minutes devrait arrêter, genre, ici. Vous allez devoir. Non, pas ici exactement, mais en fait, le logo de ma TV devrait popper, genre, là. Ok, à la semaine prochaine!